Ohayou gozaimasu, bienvenue dans votre quatrième épisode de Shenmue, jour numéro 2. Jour numéro 2, comme son nom l'indique, puisqu'on entame uniquement la deuxième journée de quête après 3 épisodes sur la première journée. Donc rappelez-vous, on était allé voir ce fameux le grand-père de Liu San qui nous avait parlé un petit peu des marins qui étaient dans les alentours de Yokosuka et qui justement construisaient une sorte de business pour échapper à la politique, enfin quelque chose comme ça. Et du coup, notre but, ce sera de chercher où est ce fameux Charlie quand on était au bar Earthbeats Bar. Mais juste avant de rentrer sérieusement dans la quête, j'aurais qu'on découvre un petit peu le bureau en question de Ryo, parce que c'est quelque chose que je voulais faire au tout départ et chose que je n'ai pas faite. Donc on va déjà interagir sur la petite lampe, c'est pas trop, intéressant, mais voilà, mais juste pour vous montrer les interactions. Alors regardez, on va ouvrir les tiroirs, savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà on a un petit... Alors c'est pas un magnétophone, c'est un lecteur cassette. Ouais, c'est un petit Walkman. Ouais, voilà, un cassette player, un petit Walkman. Et puis vraiment vous montrer un petit peu les petits détails, ce qui est assez rigolo. Alors pourquoi il repart sur le mur? Moi je voulais partir sur le deuxième tiroir du coup. Hop, on va y aller ici, voilà. Et normalement, oui, voilà, on a la photo des meilleurs amis de Ryo. Pourquoi il prend la... Voilà, prends la photo. Normalement vous les avez peut-être aperçus sur le deuxième ou troisième épisode de Shenmue qui se baladait dans la ville de Nobuita. D'ailleurs on voit même Nozomi Arazaki qui est donc la fleuriste. Donc là on peut refermer et si on ouvre le troisième tiroir, on a normalement une cassette. Voilà, on a une cassette qu'on pourra même écouter dans le lecteur. C'est quand on ira dans le menu, c'est quelque chose qui est assez rigolo à faire. Vraiment des tout petits détails qui servent strictement pas à grand chose mais qui peuvent être pas mal. D'ailleurs je crois qu'il y a une cassette aussi sur le bureau, si j'ai pas de bêtises. Voyons voir, oui, il y a une cassette juste là, on va la prendre aussi. Et là, c'est quoi exactement? C'est... Ah donc ça doit être la musique de l'écran titre de Shenmue, je pense. Le fameux Sage 3. D'ailleurs j'avais parlé de musique quand on avait fini l'épisode 3, qui avait énormément d'albums. D'ailleurs on peut même ouvrir les armoires, c'est assez rigolo. Mais là par contre on ne peut pas porter ses vêtements, donc c'est vraiment fait pour décorer, ce qui est plutôt pas mal. Donc là maintenant on va sortir, mais juste avant de sortir concrètement dans ce dojo, on va aller dans le frigo de la cuisine, parce que rappelez-vous, quand on avait vu le petit chat qu'on avait trouvé, rappelez-vous, au tout début de cette aventure, de Megumi, enfin, qui est officiellement le chat Megumi, on va aller donner un peu de lait, puisqu'il y a du lait dans le frigo. Ah, milk. This could be food for that kitten. I'll take it to the kitten. Et du coup, bah voilà, ça sera bien pratique pour l'état de santé du chat, et on va lui donner ce bon lait. On va refermer le frigo, et on va y aller. Alors oui, donc je parlais de musique, puisque faut savoir que Shenmue, déjà, comme c'est un grand jeu, c'est aussi beaucoup de musique, le fait notamment par Yuzo Koshiro en partie. Et il faut savoir aussi que il doit y avoir 5 ou 6 albums, si mes souvenirs sont exacts. Donc on a déjà de la musique symphonique, on a la musique free, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Alors déjà voilà, ce qui était bien aussi dans en finissant la première journée complète, maintenant on a un petit plan pour savoir si vraiment on veut atterrir directement à tel endroit ou à tel endroit. Donc d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner du lait au chat. Et on va tout simplement sortir directement du dojo, ce qui est plutôt bien comme raccourci. Donc en termes de musique, on a la symphonique en version classique, on a les musiques free, donc c'est-à-dire par exemple cette musique que vous entendez actuellement en musique d'environnement, si je puis dire. On a les musiques de chaque pièce, c'est-à-dire le restaurant, par exemple le restaurant Ajiichi, le coiffeur, enfin toutes les musiques de plusieurs endroits différents. Alors allez, on a encore déjà une petite interaction plutôt classique, on va dire. Donc on a ça, on a les musiques, on va dire, à suspense, entre guillemets, par exemple, les musiques avec Lamdi-sama ou autre. On a notamment aussi les musiques du Watts, mais d'ailleurs, ce que je vais vous faire et que je vais vous proposer, c'est que je vais vous balancer tous les liens dans la description, mais tous les liens MediaFire. Ça va vous télécharger directement les fichiers compressés. Il vous restera plus qu'à faire la décompression vous-même. Et tous les albums que vous allez avoir seront complets chez complets. Et moi, j'adore cette musique. C'est super, il n'y a vraiment pas d'autre mot. Donc, on va aller voir ce petit chat. Alors, ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi dans des petits endroits comme ça, on ne peut pas courir. Donc, on va donner le lait.
On peut pas courir, mais par contre, dans les grandes routes, on peut le faire. Here, drink up. It's good. You can drink it all. I'll bring you more later. Donc, petite chose, petit détail assez sympa, et vous verrez que le chaton ira beaucoup, beaucoup mieux. Allez, sans plus attendre, on va aller directement aller à la rencontre de ce fameux Charlie. Enfin, on va déjà essayer de trouver si ces gens connaissent ce fameux Charlie. Donc on va refaire une fois le tour, donc je sais pas si concrètement on va passer une grosse journée entière. J'espère que ça ira beaucoup plus vite que d'habitude. Et d'ailleurs, autre chose que je vous avais pas dit, mais il faut savoir que Shenmue, regardez, c'est un jeu qui ne tient pas sur un seul CD. Il faut savoir que comme c'est une grande aventure, Shenmue tient en 4 CD. Il tient en 4 CD, et à l'origine, si les compressions n'ont pas été faites à cette époque, Shenmue aurait pu tenir sur 50 CD, donc déjà ce qui est absolument inimaginable. Je crois que Final Fantasy VII, si mes souvenirs sont bons, tenait aussi sur 4 CD à l'époque. Donc c'est plutôt pas mal, même aussi Shenmue 2 tient aussi sur 4 CD. On a aussi notamment le passeport, enfin 4 CD pour le 1, c'est-à-dire 3 CD sur le premier opus, et le quatrième c'est le passeport. Donc le passeport, qu'est-ce que c'est très exactement? Encore une petite cinématique, je pense. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le cuisinier qu'on avait vu à Jiichi. Donc on a 4 CD, c'est-à-dire les 3 sont du jeu, donc le premier, le deuxième et le troisième, et le quatrième c'est le passeport. Le passeport c'est quoi? C'est toutes les muscles. Si vous le faites, enfin si vous réussissez le jeu à 100%, toutes les cinématiques, toutes les musiques, tous les personnages que vous allez rencontrer dans toute la quête. Et on a notamment, si je dis pas de bêtises, attendez, cinématiques, personnages, musique, on a aussi toutes les... Alors pas les systèmes de QTE, mais ouais, ce serait les cinématiques vraiment beaucoup mieux graphiquement que le jeu en question. C'est pour vous dire un ordre d'idée, on est limite sur de la PS3. Et qui vont vous expliquer concrètement le système de QTE, l'argent, la quête, etc. etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, mais fallait je crois avoir à l'époque une connexion internet. Et donc voilà, vraiment aussi, enfin voilà, c'est ce qu'il y avait vraiment dans tout ce pack complet du premier épisode de Shenmue. Alors, donc on a une petite discussion avec le cuisinier du resto chinois qui disait qu'il avait l'air bien occupé. Okay, I've got to go. Got things to do. Okay, see you. Thanks again. Alors pourquoi il part de ce côté-là? Hop. Allez, on va partir dans la... On va partir chercher ces gens. Enfin, chercher ce fameux Charlie. Alors, on va déjà rebasculer au magasin de moto, comme nous avait dit le barman du Arbitz Bar. Et il est ici, ouais, il est juste là. Ah, le voilà. Ono-san. Oh, it's you, Ryo. I heard you had a hard time. Yeah. Are you okay now? Yes. I feel a lot better now. Don't overdo it. Alors, le seul truc qui est vraiment chiant dans ces trucs-là, c'est que quand on veut lancer une conversation et vraiment avancer dans la quête, on est obligé de parler deux fois avec la même personne. Ce que je trouve un petit peu stupide. Alors, à moins qu'on fasse une petite... Sort house moment, mais c'est pas ça que je veux savoir. Moi, je veux discuter avec la personne. Donc, pourquoi je dois revenir une fois de plus? Je comprends pas. Voilà. Hey, Ryo! Do you know a guy named Charlie? Charlie? You know him? He's such a poser. Thinks riding a hog makes him look cool, but it don't. He ain't a real biker. Do you know where he lives? No idea. He only stops by sometimes. Oh yeah, go to Tsuruoka's place. You mean Tsuruoka-san at the jacket shop? I heard Charlie goes there sometimes. Thank you. Alors, Tsuruoka, personnellement, je ne sais plus où c'est. Donc on va regarder dans le listing. Voilà. Alors, ask Tsuruoka-san jacket shop. Alors, et un petit truc aussi qui est assez... alors, ce troisième épisode était un petit peu particulier, comme je vous disais la dernière fois, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu là-dessus. Mais j'ai eu quelques petits soucis de traduction, il y avait quand même des mots que j'ai du mal à traduire. Donc si quelqu'un s'y connaît mieux en anglais que moi, peut-être au niveau des proverbes, de l'argot et tout ça, laissez-moi un petit commentaire, comme ça je pourrais rectifier sur YouTube les traductions en question. Mais il faut savoir que vraiment que je le fais de ma...
je me démerde du mieux que je peux. Alors non, je veux pas parler avec cette personne, mais peut-être que Spunk là. Excuse me. Hello. What can I do for you? I'm looking for a guy named Charlie. What's he like? He wears sunglasses, a black leather jacket, and has a tattoo also. Uh-uh. I don't know him. I see. Donc il ne connaît pas, c'est pas un problème, on va aller de l'autre côté. Alors, le deuxième, oh, tiens, on va aller voir ce gars justement, la jaquette. Est-ce que c'est lui? Marie, Patch, Kurita, Military, Surplus. On peut voir quand même, puisqu'il a une veste assez particulière. Kurita, ça. Yo, how are ya? Do you know a man named Charlie? Huh? Charlie? Wears a black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo on his arm. I see that guy out in front of the shop sometimes. Always ragging my merchandise, like he'd ever buy anything. When does this Charlie come around? He usually heads over this way after hitting the jacket shop. You know, man, guys like that almost always look around without buying anything. I see. Sauf que ça m'avance pas vraiment. Alors, est-ce qu'il y a un autre magasin de jaquettes? Donc ça c'est la boulangerie. On va regarder le plan une fois de plus parce que j'ai un petit doute là-dessus. Alors, c'est comment déjà? C'est Tsuroka? Je me souviens plus. Alors, Tsuroka, c'est ça. Tsuroka-san, donc le magasin de jaquettes. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, nous, on est là. Nous sommes ici. Berber Maeda, Butcher Tamara. La boulangerie est ici, donc on longe, tac 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 tac. L'agence de voyage, le cinéma est au-dessus. Donc le Nozomi c'est ici, d'accord. Le drugstore, enfin la pharmacie, alors déjà ce qui est assez rigolo. Ouais, enfin sauf que ça m'avance pas vraiment, je ne le trouve pas. Mais on va aller voir, tiens, la vieille dame. Alors, un truc qui est assez rigolo, c'est que quand on avait parlé avec... Non, je veux pas le téléphone. Non, je ne veux pas prendre le téléphone. Je n'en veux point du téléphone. Laisse-moi récupérer mes 10 yens, quand même. Rappelez-vous, quand on était allé voir justement l'agence de voyage et qu'on lui demandait s'il connaissait les Chinois et qu'il nous avait dit « Mais putain, je veux pas téléphoner, bordel !» et qu'il nous avait dit « Pourquoi n'essayez-vous pas le restaurant chinois qui est en face de la pharmacie ?» Sauf que ce n'est pas en face, c'était, enfin, qui est à côté de la pharmacie, sauf que ce n'est pas à côté, mais c'est en face. Hi, Hirata-san. Oh, hello, Ryo. Do you know a guy named Charlie? Charlie? He wears a black leather jacket and has a tattoo on his arm. I don't know any guy called Charlie, but I see a lot of guys with tattoos over there all the time. What's over there? Nagai Industries. Nagai Industries. Where about is Nagai Industries? Next to Akasaka-san's place. Akasaka-san? Water Dragon 2 thrift store, right? Yeah. But Ryo, you shouldn't go to a place like that. It's dangerous. Yes, I know. Thanks. Donc voilà, donc on va aller directement au fameux Nagai. Alors on ne sait pas concrètement ce que c'est exactement. Peut-être que c'est une filière privée en quelque sorte. Donc on va y aller sur le champ. On va faire le tour complet. Alors, tac, 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 tac. On va essayer d'éviter les gens qui arrivent comme ça sur fondu enchaîné parce que c'est vraiment chiant. Comme je dis toujours, tiens, on va devoir passer le cuisinier qui vient, qui est sûrement en pause peut-être. Parce que je rappelle quand même, ce jeu est à temps réel, mais un jeu fictif. Hein, c'est-à-dire que voilà, quand il sera 5h, le soleil va se coucher, enfin, le soleil commence réellement à se coucher et à 19h, il commence à faire nuit. Donc Nagai Industries, voilà, c'est ici. Donc on va aller voir concrètement. Ah, c'est fermé. It's closed. Est-ce qu'il n'y a pas une heure peut-être indiquée là-dessus? Non, il n'y a pas. Donc on parlait de tatouage, donc on va peut-être continuer à interroger des gens. Excuse me. Oh, hello. Do you know anything about Nagai Industries? Oh, that place down the street. Yes, that's right. Be careful. A lot of scary looking guys there. I will. About Nagai Industries. But that's all I know. Oh, please come by again. Yes, I will. Ouais, donc elles peuvent pas vraiment m'aider. Donc
on va aller voir un petit peu ailleurs qui pourrait... Qu'est-ce que c'était exactement? C'était quoi? C'était un local à poubelle, non? Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est quoi? Duchi Mitsuki, donc les appartements. Ça c'est quoi? Non, ça c'est... C'est pas ça du tout. Ça c'est... Je crois que c'est un truc à... Non, je peux pas voir ce monsieur. Voilà, je crois que ça c'est un... Je crois que c'est une liseuse de bonne aventure. Donc ça c'est l'agence de voyage. Rappelez-vous quand on avait retrouvé ce fameux Yukawa-san. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider? Parce que ce qui est assez chiant dans ces trucs-là, c'est que quand vous devez attendre la nuit pour avancer dans la quête, ben, vous avez rien d'autre à faire qu'à se faire chier. Donc ça c'est le karaoké, c'est pas ça. Ah non, ça c'était... ça c'est le Mapukuken, pardon. Ah bah tiens, on va redemander directement à ce gars. Ono-san. Hey, Ryo! It's about Nagai Industries. Nagai Industries? You've heard of them? Only rumors. What rumors? I heard that guy Nagai knows how to get things done. He even owned a skyscraper a few years ago, but lost big time on the stocks. Since then, he's only had that office. I see. Donc on va être un petit peu... On a l'air d'être un tout petit peu bloqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire ou un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Quant à moi, on se retrouve pour le 5e épisode... Quant à moi, pardon, on se retrouve pour le 5e épisode de Shenmue. Mais où est Charlie? Sayonara Tomodachi.